Reprise des vols Air France, modalités et programme. Air France, qui reprend ses vols à partir des 8 juillet, a annoncé que de nouvelles contraintes prises par certains états obligent la compagnie à revoir l'itinéraire de ses vols et à envisager une escale de transit à Vancouver. Air France avait communiqué le 8 juin la reprise progressive de ses vols à partir du 8 juillet au départ de papeté et à partir du 11 juillet au départ de Paris. De nouvelles contraintes prises par certains États concernés par le survol des avions sur la route entre Papeete et Pointe-à-Pitre obligent la compagnie à revoir l'itinéraire de ses vols et à envisager une escale de transit à Vancouver. Air France confirme néanmoins la reprise de ses opérations selon le calendrier initialement envisagé et les horaires suivants au départ de Papeete vers Paris avec une escale technique prévue à Vancouver. À compter du 8 juillet et à raison de deux vols par semaine, les mercredis et dimanches, à l'exception du vol du jeudi 16 juillet au départ de Papet. Au départ de Paris vers Papet avec une escale technique prévue à Vancouver, à compter du 11 juillet et à raison de deux vols par semaine, les mardis et samedis pour une arrivée à Tahiti les mardis et samedis à l'exception du vol du mardi 14 juillet au départ de Paris dont l'arrivée à Tahiti est prévue le mercredi 15 juillet. Ces dispositions sont applicables jusqu'au 1er août 2020. Elles sont également susceptibles de changements notamment en fonction de la réouverture des frontières américaines aux voyageurs résidant en Union européenne. La route via Los Angeles pourrait ainsi reprendre. Les voyageurs devront obligatoirement obtenir une autorisation de voyage électronique avant le départ afin de pouvoir transiter à Vancouver. Cette demande est à formuler sur le site officiel du gouvernement du Canada. De plus, au regard de la situation sanitaire, nous rappelons également que plusieurs mesures d'entrée en Polynésie française sont imposées aux voyageurs pour permettre une reprise des vols internationaux en toute sécurité, notamment, présenter un test négatif de détection du génome du virus SARS-CoV-2 de maximum 72 heures avant le départ de Paris, remplir le formulaire numérique sanitaire d'engagement, disponible à compter de juillet. Sur le site www.etis.pf et présenter le récépissé avant le départ de Paris, pour les passagers du vol AR 074 du 11 juillet au départ de Paris, effectuer une septaine à l'arrivée en Polynésie française et se soumettre à un second test de dépistage à l'issue. Il est rappelé que ce vol est réservé aux résidents, aux étudiants et toute personne justifiant un motif impérieux santé, professionnel. Pour les passagers arrivant à compter du 15 juillet à Tahiti, premier vol, vol à F074 du 14 juillet au départ de Paris et vol suivant, et sous réserve de modifications prises par les autorités, plus aucune mesure de quarantaine à Tahiti ne sera imposée. Un second test de dépistage au Covid-19 pourra être demandé quatre jours après l'arrivée en Polynésie sur la base d'un échantillonnage. Air France précise également qu'un certain nombre de mesures internes viennent compléter le dispositif mis en place par les autorités avec notamment l'obligation du port du masque chirurgical dès l'arrivée à l'aéroport ainsi qu'à bord de nos avions et pendant toute la durée du volume les clients sont invités à se munir du nombre de masques suffisant pour la durée totale du voyage. Un contrôle de température corporelle pourra valider l'embarquement, des prestations repas et un service allégé. Afin de limiter les contacts entre le personnel de bord et les passagers, tous les clients réservés sur les vols entre le 8 juillet et le 1er août 2020 seront informés de ces évolutions. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime et activez la cloche pour rester au courant de l'actualité. Merci.